Les voilà qui s'élancent pour cette bien nouvelle épreuve. Le prix de la MFR de Poincé avec tout de suite aux avant-postes Dakota des Grands Prix qui a pris un excellent départ. 2-3 longueurs d'avance sur Haribo de la Cribière. C'est Judith Leister qui ferme la marche du peloton. Un peloton extrêmement échelonné dans cette épreuve. Et on mène bon train avec Dakota des Grands Prix. Mila Mijuskovic qui a toujours un très léger avantage avec maintenant 5-6 longueurs d'avance sur Haribo qui est en seconde position, Haribo de la Cribière, alors qu'on est en troisième position et qu'on ferme la marche avec Judith Leister. Les concurrents vont aborder le tournant dans quelques instants et Dakota des Grands Prix n'attend personne en tête et compte une dizaine de longueurs d'avance maintenant, alors qu'Haribo de la Cribière est en seconde position. On est en troisième position avec le numéro 2, Judith Leister. Alors qu'il y a une chute de Dakota des Grands Prés à l'entrée de la ligne droite. Les concurrents vont maintenant aborder les 500 derniers mètres. Et c'est maintenant chute également d'Haribo de la Cribière. C'est maintenant le numéro 2, Judith Leister, qui est bien a librement l'avantage et qui va rallier le poteau sans problème. Donc voilà, le numéro 2, Judith Leister, qui repart de plus belle et qui galope gaillardement et qui va s'imposer après ses aléas de course. Elle s'est associée à Léane David. Dans les courses, rien n'est joué. Il faut bien sûr rester en selle pour allier le poteau, ce qu'a su faire admirablement Léane David qui accompagne son partenaire. On peut l'applaudir. Voilà, le numéro 2, donc Judith Leister, s'impose.